Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine Hors les Murs qui est tournée ici à Thésée, sur la colline. Comme vous l'entendez derrière moi, les cloches sonnent pour appeler tout le monde à la prière, avec une prière un peu exceptionnelle ce soir, en plein air. Nous fêtons cette année le triple anniversaire, 1 de la naissance de Frère Roger il y a 100 ans, des 10 ans de sa disparition dans des circonstances assez tragiques, et les 75 ans de la naissance de la communauté. Alors ce soir, nous allons vous inviter à partager un peu ce qui se passe ici cette semaine, un petit peu connaître le secret des chants, le secret de ces jeunes qui viennent et qui arrivent à passer comme ça 10 minutes en prière, en silence. Tout ça, on va le suivre grâce à notre équipe qui a passé la semaine sur place. Bienvenue à Thésée. Ici, à Thésée, au cœur du mois d'août, tout le monde est rassemblé parce qu'il y a 75 ans, un homme, Frère Roger, fondait la communauté sur cette colline. Sur les murs de l'église de la Réconciliation à Thésée, ces photos prises tout au long de la vie de Frère Roger. Des moments historiques comme cette visite du Saint-Pape Jean-Paul II à Thésée, d'autres plus intimes comme ici avec une famille amie, ou en prière devant une icône. Chaque photo révèle une parcelle de ce que fut Frère Roger, le leader charismatique, le chantre de la rencontre et de l'unité, l'homme de la simplicité. Le père Claudio Monge est dominicain, il connaît Thésée depuis l'âge de 5 ans, y a même effectué des séjours de plusieurs mois où il a côtoyé Frère Roger. C'était un homme d'une simplicité extraordinaire, qui était capable, je me le dis toujours, de parler tout d'abord par son regard et par ses silences. Et ça, c'était effectivement assez bouleversant dans le sens positif du terme. Il avait une façon de te regarder qui était à la fois très forte, très profonde, très bienveillante, mais qui faisait presque peur d'un certain côté, parce que tu voyais vraiment l'homme de prière, l'homme qui arrivait à voir au-delà. Roger Schutz, le visionnaire, a marché dans la confiance comme Abraham vers un pays qui n'est pas le sien. C'est en 1940, à l'âge de 25 ans, qu'il quitte sa Suisse natale pour partager en France le sort du pays sous l'occupation nazie, avec déjà l'idée d'y établir une vie de communauté. Il cherche une maison pour prier, ou accueillir aussi. En venant à Thésée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accueilli des réfugiés, puis après des prisonniers de guerre, après des enfants, parce que nous ne pouvons pas nous réaliser nous-mêmes sans les autres. Et pour lui, c'est évident qu'on ne pouvait pas chercher la communion avec le Christ sans être les uns avec les autres. Frère Roger est vite rejoint par quelques jeunes hommes attirés par son action. Ils deviennent les premiers frères de Thésée. En 1949, ils sont 7 à s'engager pour la vie. 7 frères, tous protestants, avec leur désir de vivre en communauté. Une originalité dans ce paysage protestant qui intrigue, intéresse, inquiète aussi. Mais ces hommes veulent œuvrer pour la réconciliation. Réconciliation des hommes entre eux, réconciliation dans la vie communautaire, réconciliation entre chrétiens de toute confession. Frère Roger était un pionnier et il repoussait des murs, des limites, des a priori, des idées. Et ça a été quelquefois mal compris. Certains dans le protestantisme français ont craint, comme d'autres d'ailleurs, la création d'une troisième église, ni protestante ni catholique, d'une troisième église, ce qu'il n'a jamais voulu. Certains ont pensé qu'il y avait des conversions cachées au catholicisme et que c'était l'intention de la communauté, ce qui était absurde, même s'il y a eu des évolutions individuelles au sein de la communauté tout à fait légitimes. Frère Roger réussit quelque chose d'alors impensable, comme il le dit lui-même, réconcilier la foi de ses origines avec le mystère de la foi catholique, sans rupture de communion avec quiconque. Nous les hommes, nous ne pouvons pas faire l'unité, nous pouvons faire des divisions et des séparations. L'unité, c'est un don du Saint-Esprit, et c'est pourquoi la prière est la chose principale pour tout l'œcuménisme, et ça, c'est la grande école de Frère Roger. Roc de douceur et d'humilité, homme perpétuellement en chemin vers une plus grande simplicité du cœur. Un leitmotiv évangélique qui sera le gouvernail de sa vie jusqu'à son assassinat par une déséquilibrée, alors qu'il prie avec 2500 jeunes dans l'église de la Réconciliation, dans une assemblée comme celle-ci. Il a 90 ans, le grain de blé est tombé en terre et mort pour porter beaucoup de fruits. C'était un homme essentiellement qui révèle qui est Dieu, révèle l'évangile.
Et je pense que Thésée, avec ses centaines de milliers de jeunes qui sont passés, des millions qui sont passés, c'est un fruit de l'Esprit Saint. C'est extraordinaire. Et je crois que Thésée est comme une sorte de lumière dans notre monde, comme une source d'eau vive pour beaucoup de gens. Frère Roger a connu les grands drames et les joies du XXe siècle. Il a foulé de son pied la terre des bidonvilles de Calcutta, celle des pays opprimés de l'Europe de l'Est communiste, celle aussi de tant de pays riches qui oublient Dieu. Il a rencontré les puissants de ce monde, les leaders religieux, a prié avec des dizaines de milliers de jeunes dans des rencontres européennes mémorables ou dans l'intimité avec ses frères. Son œuvre a marqué des générations et d'une certaine manière, frère Roger vit toujours sur la colline de Thésée. Qu'est-ce que nous souhaitons le plus pour ceux qui viennent ici? Souhaitons qu'ils soient écoutés, qu'ils soient entendus. Non pas qu'ils viennent recevoir des conseils, des directives, rien de tout ça. Mais qu'ils soient entendus et puis se libèrent en nous, en tout être humain, dans cette écoute, dans cette compréhension qui est amour. Se découvre peu à peu. C'est ce que nous ne savions pas. C'est ce que nous ne savions pas, c'est que nous prions. Ce que nous ne savions pas, c'est que nous, même quand nos lèvres sont fermées, le Christ prie en nous. Alors nous nous retrouvons dans la chambre du frère Charles Eugène, dans la maison où tout a commencé. Bonjour frère, merci de nous accueillir dans votre chambre. Alors on vient de le voir dans le reportage, en 1944, le frère Roger était entouré de 3 frères, et puis après en 1949, il y en a 7 autres qui sont arrivés. Vous-même, vous êtes arrivé en 1958, oui. Donc témoignage de première main de celui qui a travaillé toute sa vie auprès du frère Roger, c'est bien cela? Oui. Alors j'ai cru entendre que certains frères était un petit peu lassé de raconter encore et toujours les débuts avec frère Roger. On n'a plus le droit de s'émerveiller? Oh non, c'est une belle histoire, c'est notre histoire, c'est notre passé, c'est ce qui a permis que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors non, on ne se lasse pas de la raconter si ça peut être utile. Alors cette histoire, elle est assez étonnante. Après-guerre, l'idée de mettre des catholiques et des protestants ensemble sous le même toit, avec plutôt des Allemands ou des Suisses et des Français, c'est un petit peu fou comme projet, non? C'était tout de suite après la guerre, c'était pendant la guerre déjà, pendant la guerre, oui. Et puis après la guerre, et l'Europe était très divisée à ce moment-là, très meurtrie aussi, et frère Roger avait l'impression que créer une communauté qui puisse, par sa propre vie, dans la chair même de ses membres, puisse donner un signe de réconciliation, de communion dans cette situation de meurtrissure et de déchirure. Mais vous comprenez que des gens et des personnes, des hommes, aient cru dans ce projet au départ, à un moment où le monde était en train d'un peu imploser? Il fallait avoir beaucoup d'espérance, beaucoup de confiance, de foi, oui, sûrement. Vous-même, qu'est-ce qui vous a attiré à rentrer dans la communauté en 58? J'avais entendu parler déjà quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17-18 ans, j'avais entendu parler, je cherchais quelle possibilité trouver pour donner ma vie de manière plus engagée. Et quand j'ai commencé d'entendre parler de Thésée, ça m'a semblé que voilà, c'était ça pour moi. Et je n'ai jamais regretté. J'ai fait le choix, j'avais 20 ans quand je suis entré dans la communauté. Je ne veux pas dire que je n'ai pas eu de problème. J'ai eu des, bien sûr, comme toutes les personnes humaines, la vie n'est pas toujours facile à vivre, déjà avec soi-même. Mais je n'ai jamais regretté. Non, je pense que j'ai toujours pensé que j'avais fait le choix qui, pour moi, était le meilleur. Et vous vous souvenez du moment où vous avez su que c'était ça, ici et maintenant? Je pense que même c'était avant. J'écoutais quand j'étais jeune, j'écoutais un disque. Il y avait des grands disques vinyles comme autrefois. Oui, 33 tours. Et 33 tours. Et j'écoutais ça avec passion, comme ça. Et j'avais déjà, en écoutant ça, j'avais déjà le sentiment. Il y avait un message sur ce disque, c'est une prière, mais il y avait un message de frère Roger où il disait que c'est la recherche de réconciliation était comme une petite semence
qui était déposé et qui deviendrait un arbre immense. Je me rappelle de cette expression, ça deviendrait un arbre immense. Et j'avais le sentiment qu'il parlait comme à l'avance de ce qu'allait devenir Thésée. Et je me disais, oh, j'aimerais voir croître cet arbre immense. Alors, on est quand même dans une situation un petit peu spéciale de réconciliation, notamment, alors vous dites avec soi-même, bien sûr, mais principalement entre, on va dire, catholiques et protestants. C'est un petit peu là aussi la base de départ. Oui, et orthodoxe aussi. Orthodoxe aussi, oui. Ça fait donc 75 ans que la communauté existe. Vous n'avez pas l'impression d'être tout le temps sur une ligne de fracture ? Oui. Et on l'a... Oui, toujours. On l'a été à certains moments de manière très difficile, très, très dure, comme ça, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition. Aujourd'hui, la personne de Frère Roger est très admirée, comme ça, vénérée même par beaucoup, mais il a connu beaucoup d'opposition de tous les côtés. Et comment personnellement... Oui. Non, quand vous cherchez la réconciliation, vous donnez toujours l'impression, soit aux uns, soit aux autres, que vous êtes ambigu. Et vous avez les critiques. Alors, c'est pas, pour nous, en tout cas, on ne le sent pas comme une ambiguïté, mais comme un désir de... Mais quand on parle de réconciliation, il faut forcément des renoncements des deux côtés. On ne peut pas se réconcilier en restant exactement pareil, parce que justement, on n'est pas réconcilié. Alors, pour se réconcilier, il faut des renoncements, mais ça coûte. Et donc, parfois, il y a des gens qui ne vous comprennent pas et qui s'opposent. Alors, il y a progression, il y a rapprochement, mais il n'y a pas encore unité. Est-ce que ce n'est pas, au bout d'un moment, un petit peu douloureux d'être toujours dans ces déchirements et de ne pas être dans une situation plus stable ? Nous, on essaye, comme nous disons, d'anticiper cette réconciliation, c'est-à-dire de la vivre déjà à l'avance et de nous réjouir de pouvoir la vivre, de vivre sous le même toit, puisque nous sommes dans cette maison et puis dans l'église. Nous déjà sommes déjà en train de le vivre. Et on aimerait que, plutôt que de beaucoup en parler, oui, on en parle un peu, mais plutôt que de beaucoup en parler, plutôt le vivre, et puis que cette vie parle par elle-même. Frère Roger disait parabole, une parabole de communion. Une parabole, c'est quelque chose qui devrait parler par soi-même. Alors, pour finir, frère, il y a une question qui est un petit peu délicate, qui naît de ce triple anniversaire. Donc, on a dit les 100 ans de la naissance de Frère Roger, les 75 ans de la naissance de la communauté, et puis les 10 ans de sa disparition, qui s'est faite dans des circonstances assez tragiques. Beaucoup des téléspectateurs se souviennent de cette agression par une jeune femme un peu déséquilibrée qui, je crois, a donc planté son couteau dans Frère Roger. Au bout de 10 ans, comment on vit avec ça ? C'est toujours une plaie ouverte ? Qu'est-ce que... Oui, on s'habitue jamais à... Ça reste... Vous voyez, je ne sais même pas très bien quoi dire. Ça reste un peu un mystère pour nous. On ne comprend pas très bien pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi il a fallu que ça se passe comme ça. Et on l'a accepté. Dès les obsèques de Frère Roger, Frère Aloïs a demandé à Dieu, pardonne-lui à cette femme, parce qu'elle ne savait, elle n'a pas su ce qu'elle faisait. Mais ça reste, oui, incompréhensible pour nous. Ça reste incompréhensible et ça reste une douleur dans le cœur. C'est toujours une douleur. Oui. Ah, oui. Offerte, ah, oui. Mais la douleur est toujours là. Ah, oui, la douleur est toujours là. Et peut-être, on se dit peut-être qu'un jour, on en comprendra mieux le sens. Ou peut-être qu'on n'en comprendra jamais le sens. On le comprendra peut-être quand on sera dans la vie d'éternité. Merci frère pour ce témoignage, merci de nous avoir ouvert votre cœur. Je vous propose maintenant de nous immerger davantage dans la vie de la communauté ici pour savoir ce qui se passe autour de cette chambre, autour de cette maison au jour le jour.
À Thésée, les frères, on les voit surtout à la prière avec les jeunes. Mais c'est là, derrière la clôture, qu'ils vivent en fraternité. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Le repas en commun est un des moments de partage privilégiés pour les frères. Ce jour-là, ils sont une centaine, les 70 présents au quotidien en Bourgogne et les frères de la communauté des quatre coins du monde. Ils vivent ici selon la règle de Frère Roger. C'est plus un programme de vie qu'un règlement au sens strict. Au cœur, la joie, la simplicité et la miséricorde. Ce texte, rédigé en 1951, sera complété et réadapté pour devenir les sources de Thésée. Et vous l'exprimez, non, c'est pas ce qui nous limite, mais c'est de ça que tout vient, que tout devient possible, tout ce qui est beau, tout ce que nous pouvons vivre ici. C'est une indication pour lui, pour transmettre quelque chose, pour parler de l'essentiel de notre vocation. La seule personne qui est importante, c'est le Christ finalement. Tout le reste, si c'est une règle, quoi que ce soit, ça vient après. Le plus simple, ça donne aussi le plus de force. Frère Bart fait partie de la communauté depuis 14 ans. Ce Néerlandais de 44 ans a, comme beaucoup, commencé à venir ici avec un groupe de sa paroisse. Depuis 3 ans, il gère l'atelier poterie. Plus de 70 000 pièces sortent d'ici tous les ans. Une responsabilité, car à Thésée, pas de dons ni d'héritage personnel. C'est la vente de ces pièces qui font vivre économiquement la communauté. Chaque jour, une dizaine de frères moulent, cuisent et décorent les tasses, bols, saladiers ou cruches. Un travail d'équipe qui séduit Bart. Ici, on est ensemble, on fait une chose ensemble. On a compté une fois, on a, depuis le début jusqu'à la fin de la vente, on a 16 paires de mains qui ont touché un produit. C'est un autre signe de communauté. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, comme chaque matin, frère Jasper partage le petit déjeuner avec le groupe de volontaires qui l'accompagnent. Loué soit le Seigneur Christ. Qu'il soit loué toujours. Il y a 11 ans, lui était comme eux, venu à Thésée en tant que jeune, juste quelques mois. Il n'est jamais reparti. Bien sûr, c'est très beau de vivre avec ses frères, mais il y a aussi des jours que c'est difficile. C'est très beau d'accueillir tant de jeunes ici, mais aussi des moments qu'on se dit « Ah, mais c'est aussi difficile ». Donc je crois qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que la seule chose qui reste, c'est Dieu finalement. Il y a cet appel de Dieu que parfois on ne comprend pas, qui reste mystérieux, où il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Franzi a choisi de partager la vie des frères pour l'été. Cette jeune Allemande de 19 ans vient de terminer une année d'études en France et, comme beaucoup de jeunes, ressent le besoin de prendre un temps pour donner un sens à sa vie. J'ai vu que dans moi, il y a quelque chose qui veut venir, qui cherche Dieu. Il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est pas quand je viens à Thésée et je reviens, je dis « Je suis complètement, je sais pas, je suis complètement différent maintenant. » Non, il y a petites choses. Et de parler avec les personnes, de voir les histoires, de comprendre. Et chaque fois, on comprend un peu plus, un peu, un petit peu, qu'on peut aussi porter dans ma vie. Des volontaires comme Francie, il y en a un peu partout pour porter avec les frères, le témoignage de la communauté à travers le monde. Aujourd'hui, comme chaque jour de cette semaine, les ateliers sont proposés aux jeunes. Des ateliers qui portent, comme vous le voyez sur le tableau, sur foi, spiritualité intérieure, art, économie, église, justice, solidarité, des ateliers en différentes langues. Nous sommes allés à l'atelier qui portait sur la petite fraternité qui est installée au Kenya. Would you contribute to this? Yes, Mona. Yes.
Donc, on l'a vu, la communauté est rassemblée ici pour cet anniversaire. Elle compte à peu près 70 personnes qui vivent sur place. Et puis, il y a un peu plus d'une vingtaine de membres qui vivent à l'étranger dans des fraternités, comme celle qui se trouve au Kenya, où Frère Luc, vous êtes depuis maintenant 6 ans. C'est ça, 6 ans qu'on a commencé. On est 4 frères de la communauté à résider à Nairobi. Ce qu'on apporte, c'est cette passion, cet espoir de tricoter des relations fraternelles, familiales. Et si en un mot, vous pouviez nous dire ce qu'apporte l'expérience du Kenya à la communauté de Tézé ici, ça serait lequel ? Élargir ta tente, rendre visible cette fraternité et montrer que l'appel du Christ, qui est le roc, la source, qui motive d'un engagement d'un frère de Tézé, ne nous éloigne pas de solidarité humaine, des défis, de partager les défis, les conditions de vie d'autres femmes et hommes dans différentes conditions, dans différents coins du monde. Merci Frère Luc. Alors, comme tous les étés, les jeunes viennent ici par milliers pour camper, partager, vivre, prier ensemble. Et nous allons voir d'un peu plus près ce qu'ils vivent vraiment comme expérience et dès le matin au lever du jour dans leur tente. Reportage. Le jour est déjà levé sur Tézé, mais à 7h ce matin, le camping est encore endormi. Ici et là, quelques têtes mal réveillées sortent des tentes, après une nuit plus ou moins confortable. On s'organise en fonction des trous. Ouais. Genre moi je sais que toute cette partie-là du matelas, c'est une partie qu'il faut que j'évite. Du coup j'ai mes jambes là, généralement. Pour Hélène, Léonie et Anyushka, tout est question de stratégie pour trouver un minimum de confort. Alors ce qui vaut pour la tente, vaut aussi pour la douche. Là, on est en train de chercher une stratégie pour tomber sur la salle de bain où il n'y a pas de queue. Parce que le matin à 7h30, dans les salles de bain des filles, il y a toujours une grosse ambiance. Les trois amis trouveront finalement leur douche. Sans y rester trop longtemps, solidarité oblige avec les milliers d'autres jeunes qui campent, eux aussi. À 8h15, il y a les cloches qui commencent à sonner. Ça veut dire il va falloir commencer à se dépêcher, les gars. 3 fois par jour, matin, midi et soir, les cloches appellent à la prière. Des temps qui rythment la journée dans le style particulier de Tézé, avec ses moments de silence, de méditation de la parole et ses chants méditatifs dans toutes les langues. Quand on chante toujours les mêmes paroles en boucle, c'est comme une sorte de résonance. Il y a une puissance qui se dégage des chants comme on est vraiment beaucoup. Esa manera como tan serena y te lleva también a esa serenidad interior. The first prayer here at Tézé, I was just, it felt as though prayers were just washing over me and all the people and all of the world really. Quand il y a beaucoup de monde comme ça, 4000 personnes de différents pays, je sens vraiment que l'église elle fait qu'un. Diciamo è il fulcro di questo villaggio perché tramite la preghiera si crea questa atmosfera di fiducia reciproca, di armonizzazione dei cuori che è poi alla base della comunità stessa. Ci possono essere le toilette, le poubelle des filles. Une église oui, mais rien d'éthéré. À Tézé, l'unité se joue aussi au fond des toilettes. Balai, poudre magique, serpillière, éponge et que ça brosse. You can see that the big heroes in the movies never go to toilet because they're not real, but this is real. Bah, d'une certaine manière, c'est une belle métaphore, moi je trouve, du lavement des pieds, hein, de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Hein. Quand les jeunes arrivent, ils reçoivent toujours un service qui peut être vraiment très très différent. Et je crois que c'est vraiment un point hyper important à Tézé, c'est vivre dans la simplicité et du coup se mettre au service de tous ceux qui sont là, voilà, tout en sachant que les autres se mettent aussi à notre service par une autre manière. Du côté des équipes cuisine, c'est un genre de haka maori qui précède chaque jour l'ouverture des grilles du self. À l'image des joueurs de rugby néo-zélandais avant un match, il faut bien s'encourager avant d'affronter la foule affamée. Well, I guess the queue in Tézé is
not only a necessity, it's really an element of Tizi. I think it's important, like, to wait together. Enjoy this wonderful dinner, you are great! Pain, plat, dessert, couvert, rien ne doit manquer sur le plateau. Et si les jeunes ont peu d'alternatives sur une nourriture, parfois un peu mystérieuse? Je crois que ce sont des patates, des haricots, des carottes et beaucoup de sauce. Il y en aura pour tous les goûts dans les ateliers de l'après-midi. En tout, plus d'une centaine proposées sur des thèmes aussi variés que l'environnement, la politique, l'économie ou encore l'art, pour ne citer que. Un panel très divers au service de cette nouvelle solidarité voulue par la communauté de Tézé. Alors nous voici avec Antoinette, 24 ans, qui connaît Tézé depuis 2007, qui est née en Suisse et venue de Genève à pied, je crois, on va reparler dans un instant. Première question Antoinette, comment vous avez atterri ici à Tézé? En fait, tout simplement, ma pasteur nous a emmenés en 2007, quand on faisait du catéchisme, en retraite ici. Puis on a passé 4 jours, voilà, simplement. Comme ça, c'est elle qui vous a fait découvrir ce lieu un petit peu exceptionnel, dont vous aviez entendu parler auparavant? Non, alors jamais. Bon, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur votre venue ici cette semaine? Apparemment, vous êtes venu à pied de Genève. Oui. Ça fait quelques kilomètres quand même. 160 pour être exact. Oui, alors avec un groupe d'amis, on s'est dit que ça serait une fois chouette de faire ce trajet à pied. Et puis on a amené plus de jeunes avec nous, une dizaine en total. Et puis on s'est dit qu'on allait marcher, prier 3 fois par jour sur le chemin, avoir des temps de partage autour de textes bibliques et puis de témoins de la foi, frère Roger entre autres, des citations de lui. Et puis une heure de silence par jour aussi, en marchant, pour se préparer à venir ici. Simplement. Alors, que représente Tézé pour vous? Une grande famille, d'abord. C'est vrai que je suis restée ici aussi longtemps, en tant que volontaire. Et puis j'y ai fait des découvertes personnelles assez importantes dans ma vie. J'ai appris une philosophie de vie aussi. Donc c'est pour moi un lieu source, vraiment. Vous pourriez nous dire quelques mots de cette philosophie de vie que vous avez découvert ici? Alors, déjà autour des liens entre les gens, simplement, comment être avec d'autres qui sont différents de nous, parce qu'ici on rencontre quand même des gens de tous les pays, avec des cultures très différentes. Donc déjà aussi comment interagir avec eux, comment découvrir aussi qui moi je suis par rapport à eux. Et puis dans la simplicité matérielle, dans la simplicité d'esprit aussi, simplement de participer aux prières, de découvrir ce qui est essentiel pour moi. La fraternité donc, mais aussi alors la réconciliation, c'est la colline de la réconciliation. Oui. J'imagine que c'est réconciliation avec les autres évidemment, mais c'est peut-être réconciliation avec soi-même? Oui aussi, bien sûr. Je pense dans une recherche dans la foi, simplement de chercher quelle est notre relation à Dieu, comment on peut la développer, comment on réconcilie nos différentes personnalités en nous-mêmes, nos différents côtés qui sont parfois contradictoires aussi. Peut-être avec un regard chrétien qui peut nous aider à faire ce travail-là. Est-ce que depuis que vous êtes là, donc depuis 2007, est-ce que ça vous a, enfin vous passez ici depuis 2007, est-ce que ça vous a permis d'avoir un regard différent sur la communauté? Oui, parce qu'avant je ne me rendais pas vraiment compte du travail que font les frères sur justement le fond plus, ces instructions bibliques, tout ce qu'ils veulent apporter vraiment dans un message plus soutenu. Moi je me suis dit, c'est les prières, c'est très sympa, c'est la bonne atmosphère, mais je ne voyais pas ce côté de réflexion plus intensive. Et là, avec les thématiques que les frères donnent, par exemple pour cette année, miséricorde, joie, simplicité, je vois vraiment qu'il y a une recherche et une invitation à aller plus loin. D'accord, c'est pas donc simplement ici, c'est pas juste se rassembler entre jeunes et vivre une expérience de prière dans la grande église qui est derrière vous, c'est aussi quand même un petit peu se former. Oui. Là, cette semaine, c'est le thème de la solidarité qui domine. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup d'intervenants, beaucoup de conférenciers qui sont incroyables, qui ont vécu des choses, qui ont vraiment des choses à nous transmettre. Et ça nous fait réfléchir. Je pense que ça... Il y a cette semaine une atmosphère de bouillonnement un peu comme ça autour de cette thématique de la solidarité que je trouve très belle, parce qu'elle est aussi nécessaire de nos jours et on s'en rend compte, à quelque part. Vous avez donné un an et demi de votre vie ici. Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos projets? Alors j'ai changé mon orientation d'études.
Bon, c'était une idée que j'avais déjà un peu avant, mais c'est vrai que ça m'a aidé à prendre cette décision-là. Maintenant, j'étudie la théologie, donc c'est vrai que c'était un pas. Et puis, oui, je pense que j'ai changé certaines façons d'agir ou d'être ou de penser simplement dans ma vie au quotidien. Dernière question, qu'est-ce que vous diriez à d'autres jeunes qui s'interrogent en se disant, bah tiens, peut-être que cet été, je pourrais peut-être aller faire un tour par là-bas? Ah, il faut essayer, il faut venir et puis pas hésiter à se laisser déplacer par cette expérience. Merci Antoinette. Alors voilà, ça fait plusieurs dizaines d'années que des bénévoles comme Antoinette sont présents ici pour faire tourner la maison. On a rencontré un couple qui s'est rencontré ici, qui a décidé d'installer son foyer ici. C'est des volontaires à perpétuité. Regardez. Juste devant les deux jeunes là. Ferenc et Orchi sont des spécimens uniques en leur genre. Une sorte de volontaire à vie à Thésée. Car chaque année sur la colline, 600 bénévoles restent qui une semaine, qui tout l'été ou quelques mois. Ce couple originaire de Hongrie vit ici depuis plus de 15 ans. Alors quand ils se promènent sur le campus, ils ne font pas 10 mètres sans saluer quelqu'un. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Bienvenue, hein? Merci. Ça fait plaisir de voir des anciens comme ça. Tout à fait. Moi, j'ai connu Thésée pour la première fois quand j'avais 16 ans. Donc, c'était en 1989. Et donc, ça correspondait exactement à l'année de chute de mur, le changement de régime. Je me rappelle des manifestations qu'on a fait à l'époque en 89 dans la rue de Budapest, les ouvertures des frontières. Et en même temps, j'allais à cette rencontre européenne. Et tout à coup, j'ai vu le monde s'ouvrir. C'est au milieu de la grande histoire que Ferenc et Orchi ont écrit leur propre histoire. Lui est volontaire longue durée auprès de la communauté. Elle vient pour l'été, et comme cela arrive parfois à Thésée, leur amour naît, grandit, et depuis ils ne se sont plus quittés. Ils s'installent définitivement dans le petit village bourguignon à la fin des années 90 à l'appel de frère Roger. Ils forment aujourd'hui un binôme complémentaire. Lui est responsable des cuisines et gère les commandes et les stocks. Le problème c'est que vous avez mangé tous les emmentals, 25 grammes. Oui, je sais, mais on n'a pas mangé tous les sambolins. Elle coordonne les équipes de volontaires pour la préparation des repas quotidiens. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que ni mon mari ni moi, on est formés pour ça. Mon mari était professeur de littérature, moi je suis psychopédagogue. Et je pense que Roger avait l'art de demander des différentes personnes, des différentes tâches et des responsabilités pour lesquelles ils n'étaient pas préparés. Une petite touche de provisoire et d'abandon à la Providence ne fait pas de mal. Les équipes cuisine doivent pourtant relever un défi de taille. Rien que cette semaine, compter 4000 pèlerins à 3 repas quotidiens, cela donne 12 000 chaque jour, 1 million par an. Quand on est arrivé, un des premiers textes bibliques qu'on a lu et on a entendu avec frère Roger, c'était la multiplication du pain. Et quand il y avait cette phrase, donnez-leur à manger vous-même, c'est ce qui a resté comme un écho dans notre oreille et dans notre cœur. Alors c'est la tradition à Thésée. Entre la cuisine, la vaisselle, les poubelles, le nettoyage des douches et des toilettes, tout le monde est mis à contribution. Condition sine qua non pour que ça marche, avec des fruits parfois miraculeux. Je me rappelle très bien, pendant la guerre de Balkans, il y avait des jeunes qui étaient ici, de Serbie, de Croatie, de Bosnie. Donc tous ces pays qui étaient en guerre. Et donc ils arrivent, et puis le hasard fait que tout à coup ils se retrouvent dans les mêmes équipes de travail. Ils doivent nettoyer les toilettes ensemble, faire la cuisine ensemble. Et tout à coup, les barrières tombent. Et si on leur demandait, alors asseyez-vous, discutez, parlons de la réconciliation, je ne suis pas sûre si ça aurait marché. Donc ici à Thésée, on appelle cette maison le manoir. Et c'est une maison qui a beaucoup d'histoire. Ici même, en effet, frère Roger et sa sœur accueillirent des enfants orphelins de la guerre. Ferenc et Orchi habitent cette maison depuis 16 ans, cherchant quotidiennement dans leur couple et en famille la réconciliation et la miséricorde. C'est en fait le chemin que propose Thésée, un chemin long, parfois tortueux, mais qui façonne la paix. Ça pourrait paraître comme un très joli film, où tout est rose, où tout est simple. Non, il y a dans notre vie, dans notre quotidien à Thésée, des moments de difficiles. Et dans ces moments-là, la seule chose qui compte et la seule chose qui peut aider,
c'est de se mettre à genoux, d'aller à la prière. Et quand le chant commence, et quand on voit la communauté des croyants, hein, l'Église priante, ben ça va aller, ce sera possible. Il ne faut pas avoir peur, n'aie pas peur. Vas-y, continue, tu pourras faire. Mais la prière, l'abandon, la confiance en Dieu peuvent aider à faire le pas suivant. Voilà, alors nous retrouvons le frère Jean-Marie qui compose de la musique depuis une vingtaine d'années, la musique comme celle qu'on vient d'entendre chanter dans l'église. Alors frère, dites-nous, est-ce qu'il y a une recette des chants de Thésée ? Oh, recette, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, il y a une histoire à Thésée. C'est vrai que depuis le début, c'est vrai, en cette année où on célèbre l'arrivée de frère Roger ici, sa naissance, les 100 ans de sa naissance, et les 10 ans de sa mort, il y a une histoire de chant, je crois, lui, il était donc de tradition, fils de pasteur, où on chantait, sa mère était musicienne, et pour lui, la prière chantée était déjà une valeur qui le portait. Et puis, les premiers frères aussi. Et puis, quand les jeunes commençaient à venir à Thésée, évidemment, il y avait de nouveaux défis, de nouvelles questions. Comment partager une prière belle, chantée, avec des jeunes qui, de semaine en semaine, de jour en jour, changent. Et c'est comme ça qu'on a cherché, c'était dans les années 70, avec Jacques Berthier notamment, à créer des chants qui pourraient aller dans des assemblées comme nous avons toujours. Oui, parce qu'on entend bien, vous venez de le dire, c'est une prière chantée. Et souvent, d'ailleurs, on répète un psaume ou autre. L'idée, c'est justement cette simplicité. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a deux choses. La simplicité, ça permet de... Bon, si on est de beaucoup de pays, de langues différentes, d'apprivoiser quelques des chants qu'on pourrait chanter tous, hein, même si on ne partage pas une même langue. Il ne faut pas trop de paroles. Pour ça. Mais dans un deuxième temps, prendre quelques paroles permet de les intérioriser. Et je crois qu'on cherche toujours des paroles qui sont bonnes, qui sont importantes, qui sont surtout des écritures, mais ça peut être aussi quelques paroles, par exemple, Sainte Thérèse d'Avila ou encore d'autres dans la tradition de l'Église, mais surtout bibliques, qu'on puisse ensuite intérioriser. Et petit à petit, le chant passe des lèvres au cœur. Et c'est ça qu'on recherche, je pense. Merci frère de nous aider ainsi à prier. Merci. Maintenant, je vous invite à quitter cette place et à aller du côté de la maison des frères sur la terrasse pour écouter tous ensemble le message du pape dans la bouche du cardinal Cor. Frère Roger comprenait les nouvelles générations. Il avait confiance en elles. Il a fait de Thésée un lieu de rassemblement où des jeunes du monde entier se sentent respectés et accompagnés dans leur recherche spirituelle. Frère Roger a aimé les pauvres, les déshérités, ceux qui apparemment ne comptent pas. Il a montré par son existence et par celle de ses frères que la prière va de pair avec la solidarité humaine. Je rends grâce à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour la vie donnée de frère Roger jusqu'à sa mort violente. Puisse la communauté de Thésée maintenir toujours ardent le témoignage qu'il a rendu au Christ ressuscité et l'appel qu'il a sans cesse renouvelé à choisir d'aimer. Alors nous voici avec frère Aloïs, vous êtes prieur de la communauté depuis maintenant 10 ans. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, parce qu'en ce moment c'est un petit peu l'ébullition là, à Thésée pour ce triple anniversaire. Fréquenter les jeunes comme ça, ça conserve ? Oui, je pense que ça nous garde jeunes aussi.
de les écouter. J'aime surtout les moments le soir, après la prière du soir, quand ils viennent parler personnellement. Et puis, j'aime chanter avec eux. Alors, vous avez la chance ici d'avoir l'oreille des jeunes, d'une jeunesse qui ne fréquente pas toujours les églises. Comment on leur parle du Christ? Comment on leur annonce le Christ? D'abord en priant ensemble, que le jeune participe à notre prière commune où nous sommes tous tournés vers le Christ. Il n'y a pas d'abord l'enseignement, mais d'abord nous nous tournons vers Dieu, nous prions et ils sont pris dans cette prière où il y a un long moment de silence aussi et où ils trouvent une liberté. Je peux être là d'abord. Dans la prière, il ne faut pas faire quelque chose d'abord. Je peux être là. Et cette liberté souvent fait naître une interrogation. Et en plus, c'est l'expérience de communion, je crois, qui joue beaucoup ici. Le fait que le Christ nous réunit de tant d'horizons différents, différentes églises, différents pays, différents continents, ça étonne. Et ça pose la question, mais comment c'est possible? Et alors l'évangile devient crédible, le Christ qui est venu rassembler l'humanité dans son Église. Qu'est-ce que vous dites aux parents, aux grands-parents qui baissent les bras et qui finissent par se demander si ça vaut le coup de transmettre la foi? Mais j'étais toujours impressionné que Frère Roger, dans ces situations, faisait beaucoup confiance. Il a dit, mais Dieu est là, Dieu est là. Soyons surtout pas trop inquiets. Bien sûr, c'est une grande inquiétude que la foi souvent ne se transmet plus. Mais qui sait, il y aura des événements, il y aura des moments dans leur vie où tout à coup, quelque chose qui a été semé en eux par les parents, par les grands-parents, éclore. Cette jeunesse a changé pour vous? Ah oui, oui, oui. Je suis maintenant ici de... plus de 40 ans et l'interrogation plus existentielle devient plus forte. Des jeunes ne peuvent plus faire un projet de vie. On fait des études, on ne sait pas qu'est-ce qui va venir après et ça crée des situations beaucoup plus difficiles et des vulnérabilités. Et alors il faut trouver dans la foi, dans la confiance en Dieu vraiment une sécurité qui permet de vivre dans ce monde où tout change tellement vite. Alors vous le disiez, on écoute ces jeunes qui viennent vous parler, les frères sont un peu à disposition. Est-ce qu'ils ont dû eux aussi changer leur discours, leur communication, leur façon d'écouter? Oh, l'écoute, c'est quelque chose qui est constant ici. Oui. Ça veut dire accueillir quelqu'un. Accueillir quelqu'un en sachant que Dieu est présent, sinon il n'existerait pas. Cette autre personne existe parce que Dieu est présent, Dieu l'a créé, et il faut accueillir dans cette reconnaissance. Et je crois que ça joue beaucoup, parce que les jeunes sentent alors qu'il y a une ouverture. Ils peuvent se confier avec une joie aussi, pas seulement des difficultés, mais aussi beaucoup de souffrance, de division, de séparation, justement un avenir bloqué, et ils ont besoin de le dire. Nous ne pouvons pas donner beaucoup de conseils, il faut être réaliste, nous le voyons une fois ou deux fois, mais ils peuvent sentir que quelque chose est partagé, ils ont pu partager leurs questions. Alors vous avez hérité de la charge de la communauté maintenant il y a une dizaine d'années, on voit qu'il y a un mouvement un peu de relative expansion à l'international avec l'ouverture de petites fraternités ici ou là. La toute récente, là, c'est à Cuba. Est-ce que vous pouvez, oui, nous en dire un mot? Oui, depuis le début de la communauté, très vite, des frères sont partis aussi pour vivre dans des situations de parfois des grandes pauvretés, comme au nord-est du Brésil ou au Bangladesh, c'est un des pays les plus pauvres. Même si cela se développe maintenant. Donc toujours... Mais c'est plutôt discret, c'est une petite présence. Oui, c'est une petite présence. C'est un choix de rester petit? C'est la réalité. D'accord. Nous sommes une petite communauté, nous n'avons pas des grands moyens, mais ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. Et être une petite présence dans une autre culture. Et cet aspect d'autre culture est devenu de plus en plus important parce que nous voyons que des fossés culturels, par exemple, entre l'Afrique et l'Europe, sont énormes. Et nous devons créer des ponts, des
compréhension. Et maintenant, nous nous sommes décidés d'aller à Cuba parce qu'un évêque nous invite de venir là. Un évêque catholique et un séminaire protestant à Matanzas, une ville à Cuba, demandaient, mais venez. Et j'étais l'année passée, je voyais que les jeunes sont tellement isolés. Les jeunes le disent, nous sommes isolés ici, venez. Alors deux frères partent pour vivre là-bas sans projet. Ils vont avec les mains vides. Et on découvrira au fur et à mesure quel est le sens de cette présence là-bas. Alors on sait le grand intérêt que vous et que la communauté porte à la promotion de la paix. Comment êtes-vous présent sur des dossiers comme l'Ukraine, le Moyen-Orient? Vous parliez de l'Afrique. Oui, concrètement cette semaine, il y a des Ukrainiens ici et des Russes ici. Tout au long de l'été passé, il y avait des jeunes de ces deux pays. Ils se sont parlé et ce n'était pas toujours évident. Parce que quand on souffre trop, il n'y a plus de place pour écouter la souffrance de l'autre. Et c'est ça qui est... la foi ne suffit pas parfois, mais c'est simplement il y a trop de souffrance et on n'a plus de place pour écouter l'autre. Et c'est ça qu'on voudrait ici, de créer une place en nous-mêmes pour écouter l'autre. Concrètement, là, entre la Russie et l'Ukraine, nous préparons une rencontre en Afrique pour l'année prochaine, à Cotonou, donc au Bénin, pour... plusieurs pays africains, il y aura plusieurs milliers de jeunes qui vont se réunir. Il y aura des Européens aussi qui vont venir pour être à l'écoute de ce continent et que des jeunes africains puissent exprimer qu'il y a une espérance chez eux. C'est très important parce qu'il y a une vitalité énorme en Afrique. C'est un continent jeune, une église jeune, pleine de vitalité et nous voulons que cela s'exprime. L'unité, on vient de parler des orthodoxes, si on parle des protestants, la recherche d'unité chez les protestants n'a pas l'air très simple non plus. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? C'est essentiel pour nous, parce que comme communauté, nous voulons anticiper l'unité. Et nous sommes très heureux que pour notre anniversaire ici, il y a des représentants de différentes églises qui viennent. Il y a le cardinal Koch de Rome qui vient envoyé par le pape avec un message. Il y a des représentants de Constantinople, de Canterbury, de l'église anglicane et de la France. Il y a l'archevêque Pontier de Marseille, président de la conférence épiscopale, et le pasteur Claveroli, qui est le président de la fédération protestante en France. Donc nous sommes très heureux que... Et d'autres églises encore que je ne peux pas toutes nommer, aussi des églises évangéliques, la Fédération Baptiste Mondiale, il y aura le secrétaire du Conseil œcuménique des églises. Cela veut dire que ici avec les jeunes, nous ne faisons pas bande à part pour faire notre église ici. Non, tout cela s'est intégré dans une recherche d'unité qui se vit entre les différentes églises. S'il fallait parler de votre charisme aujourd'hui, votre charisme propre à Thésée, quel serait-il? Je n'ose pas employer le mot charisme, c'est plutôt... Je veux dire ce que Frère Roger disait un jour de nous. Nous sommes un amassé de vulnérabilité comme communauté, mais qui est visité par un autre, visité par le Christ, et nous croyons en lui. Et nous croyons que la réconciliation est possible d'abord entre nous. Venir de 30 pays, continents différents, ça veut dire qu'il y a cette exigence de devenir frères les uns pour les autres tout au long de notre vie. Et par notre fraternité que nous vivons entre nous bien imparfaitement, mais par cette fraternité, nous pouvons être aussi frères de beaucoup d'autres. Quel regard la communauté porte justement sur le travail pour cette quête d'unité du pape François? Nous sommes reconnaissants, très très reconnaissants. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans une grande continuité pour nous depuis le pape Jean XXIII que Frère Roger a rencontré et puis Jean-Paul II qui nous a visités ici. Et nous sommes très reconnaissants que le pape Benoît nous a soutenus après la mort de Frère Roger. Il m'a accueilli chaque année
Et maintenant, j'ai eu deux audiences avec le pape François qui soutient d'une part notre travail pastoral avec les jeunes. Il m'a dit « accompagnez les jeunes, accompagnez les jeunes ». Et il m'a dit « continuez comme communauté écuménique ». Alors, le pape va ouvrir cette année l'année de la miséricorde, qui est aussi votre thème. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire en deux mots les ponts qu'il y a entre la réconciliation et cette miséricorde divine qui lui tient vraiment à cœur? Oui, la miséricorde, ça veut dire la compassion de Dieu qui ne change jamais. Dieu est miséricorde. Il n'est pas autre chose. Il est miséricorde. Et nous voudrions que cette miséricorde se reflète beaucoup plus dans la vie de nos églises. Mais concrètement, très simplement, par une ouverture vers les plus pauvres, en allant vers les plus pauvres, en les intégrant. Et quand si nous choisissons le thème de la miséricorde pour une année, c'est pour donner la parole aussi aux plus pauvres, qui souvent vivent de la miséricorde de Dieu et qui peuvent nous donner des témoignages formidables. Merci frère Aloïs, merci aussi pour votre témoignage et merci de nous avoir accueillis ici. Merci à vous. Je vous invite maintenant à regarder les images de ce grand rassemblement de dimanche où tous les jeunes se sont retrouvés pour un hommage à frère Roger qui est mort il y a donc 10 ans. Merci à vous tous pour votre fidélité, merci aussi à toute l'équipe qui nous a permis de tourner cette émission, aux personnes qui nous ont accueillis et permis de tourner ces images. A très bientôt, vous pourrez revoir ce programme sur catotv.com.